Alors, Renaud va-t-elle réagir? Il faut. Tesla a cassé le game là. Les Mégane commencent à 42 000 euros. En début d'année, Renault a décidé de ne pas entrer dans la guerre des prix. Bon, ça, on l'avait vu. Toutefois, la nouvelle baisse des prix opérée par Tesla pourrait faire bouger les choses chez Renault. Fabrice Cambolive, qui dirige la marque Renault, a reconnu que c'était un avertissement pour la concurrence, selon des propos rapportés par Automotive News Europe. Cambolive a indiqué que Renault va étudier son niveau de compétitivité pour rester dans le match. Une analyse qui sera menée marché par marché. Renault a l'air satisfait des ventes. Hein. 11 000 exemplaires ont été vendus au cours du premier trimestre 2023. Fabrice Cambolive met en avant un bon mois de mars. Pas de quoi donc inciter à une baisse des prix. Oui, mais vous allez voir les ventes d'avril. C'est surtout les ventes de mai, hein, enfin, qui vont être complètement éclatées, quoi. Parce qu'il y a toujours un delta entre les livraisons et les bons de commande, on va dire. Non, moi je pense qu'ils vont devoir baisser les prix. C'est clair et net. Sinon, leurs chiffres de vente vont s'effondrer et puis voilà, ils vont venir pleurer après. C'est peut-être ça qu'ils attendent, hein, pour pleurer encore. Ah! Alors, quel prix, hein, sera le meilleur pour Mégane, à votre avis? Une petite ristourne de 3 ou 4 000 euros, déjà, ça serait un bon début, je pense. Un ticket d'entrée à 38 000 hors bonus, ça pourrait être pas mal, je pense. Je vous laisse commenter.